Voilà, une fois votre sauvegarde de données faite sur la PlayStation 3, comme expliqué donc sur le tutoriel, il va falloir maintenant donc démonter le disque dur. Donc là je l'ai mis la tête à l'envers, hein, comme vous pouvez voir, donc là on voit le dessous de la console. Donc il faut enlever le cache situé ici. Donc ça c'est le cache donc, de disque dur, du disque dur. Donc il y a une petite encoche sur le côté. Il suffit de passer un ongle, ou si vous n'y arrivez pas, un couteau plat, enfin quelque chose de plat qui pourra vous permettre de l'enlever. Donc ensuite, théoriquement dans le trou juste au-dessus de mon doigt, il y a une vis que j'ai déjà enlevée, une vis de couleur. Donc vous la dévissez, vous relevez le petit rabat en métal et vous poussez sur la droite. Tac. Donc vous entendez un bruit et après il suffit de tirer, ça sort tout seul. Donc là on a notre disque dur de sortie. Donc il va falloir par la suite le démonter. Donc vous mettez la console de côté, à plat de préférence si vous voulez éviter qu'il y ait de la casse. Donc sur notre disque dur on voit qu'il y a des vis à enlever, hein, des deux côtés. Il y en a 4 donc ça va assez vite. Donc vous prenez un petit tournevis, donc moi j'ai un petit tournevis fin, donc cruciforme, hein, rien de plus simple, hein. J'ai acheté celui-là sur eBay pour démonter des Nintendo DS à la base, ça fonctionne très bien, donc si vous avez un tournevis fin ça fonctionne tout aussi bien si vous en avez déjà un, pardon. Donc je vais poser le caméscope pour que vous voyez ce que je fais. Donc on va démonter, donc prenez votre temps, il y a pas besoin de se presser, surtout que les vis sont un petit peu dures au départ à démonter, donc il faut faire attention. Donc là la première j'ai un peu du mal, donc je vais en faire une autre en attendant, tant qu'à se prendre la tête, ou se prendre la tête à la fin. Donc elles sont assez dures et ça risque d'être assez facile de bouffer les têtes de vis, donc faites vraiment attention. Je crois d'ailleurs que la première j'ai peut-être bien foiré, donc c'est assez chiant à démonter en fin de compte. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Donc je vais aller chercher un autre tournevis peut-être un petit peu plus gros. Pour le moment donc je vous laisse. Donc me revoilà, donc bah, comme on n'est pas à l'abri d'un petit problème, j'ai dû découper la toute petite partie ici parce que donc j'ai foiré une vis, elles sont vraiment très malléables, donc c'est un peu de la camelote. Donc je vous conseille de faire très attention. Donc là on a notre disque dur donc de 60 Go d'origine, donc pour moi c'était une version 60 Go, donc l'autre ce sera une 40 ou 20 ou même 80, tout dépend donc du modèle que vous avez. Donc on se retrouve avec la grille d'installation de fixation. Donc vous prenez votre disque dur neuf. Donc, dans mon cas, j'ai acheté un 250 Go. Donc, si vous voulez des bonnes adresses, n'hésitez pas à me demander. Donc, vous le laissez jusqu'à la fin avant de le monter dans son emballage. C'est un emballage anti-statique exprès pour. Donc, on va le laisser dedans. L'ancien, d'ailleurs, on va le mettre à la place. Il fait la même taille, donc c'est pas un souci. Hop. Donc toujours pareil, hein, donc votre nouveau disque dur vous le mettez donc à la place du premier, hein, dans le même sens évidemment, ça coule de source, donc vous faites attention au sens où vous allez le mettre. Donc pareil, hein, vous le faites correspondre au niveau des trous du côté de l'ergot en métal. Donc une fois que les trous correspondront de ce côté-là, il vous suffira de serrer de l'autre côté. Donc il n'y a rien de plus simple, donc il faut remettre vos 4 vis, ou dans mon cas les 3 puisque j'en ai foiré une. Donc hein, je répète, hein, faites attention, pareil en resserrant, serrez pas trop fort non plus pour pas bousiller vos vis, ça serait dommage. Donc si vous pouvez retrouver des vis, évidemment de la même taille, vous pouvez en rajouter une s'il y en a une qui va pas, quoi. Donc là-dessus il n'y a pas de souci, c'est standard dans tous les cas. Donc, il suffit de retrouver des vis identiques. Peut-être un peu desserrer l'autre, je suis pas tout à fait en face. Donc les serrez pas trop dès le départ, que le disque dur puisse bouger un petit peu afin de se caler comme il faut dans les trous, ce Ce n'est pas mon cas, et ça commence à m'énerver, évidemment. Je plaisante bien sûr, il faut garder son calme et ne rien casser. Donc pour les plus nerveux d'entre vous, si vous avez des petits soucis, posez le matériel, allez vous calmer un peu, et relancez-vous dessus un peu après. Voilà, et de côté, le premier côté pardon, est fait. On passe au second côté. Donc dans mon cas il manquera une vis, mais c'est pas bien grave, hein. Bon, une de chaque côté minimum si vous voulez que votre disque dur ne bouge pas. Voilà, donc là le disque dur est resserré. Donc vous remontez l'ergot hein, en métal. Donc, on va se promener un petit peu avec le caméscope. Donc vous reprenez votre PlayStation 3, vous la remettez la tête en bas. En faisant attention de ne pas la faire tomber bien évidemment. Et donc votre disque dur, vous le remettez dans le même logement qu'avant. Et là je le mets à l'envers, donc ça va pas aller. Voilà. Donc une fois qu'il est dedans, il suffit de l'insérer comme il faut et de pousser. Je vais peut-être poser le caméscope. Voilà. Et vous poussez donc sur le côté pour que votre disque dur soit bien calé. Donc après la même chose, hein, vous remettez la vis qui va sur le petit côté là. On pas besoin pareil de la série à bloc hein, si vous voulez pouvoir l'enlever après. Donc votre disque dur ne doit plus bouger. Donc vous remettez le cache, évidemment. Et voilà, donc la console est prête à recevoir donc, les nouvelles données. Donc tout du moins, suivez quand même la dernière partie de la vidéo si vous voulez voir ce qui va se passer pour la nouvelle installation de votre nouveau disque dur. Donc il vous faudra un petit peu de matériel pour continuer. Voilà.